Alors, je suis heureux de présenter aujourd'hui mon dernier livre, Face au passé, essai sur la mémoire contemporaine, qui est paru en France en 2016, qui présente une série de travaux récents sur la place qu'a prise la notion de mémoire dans l'espace public depuis une trentaine d'années. Et dans cet ouvrage, j'essaye à la fois de comprendre ce qu'est la mémoire collective d'un point de vue théorique et pratique, empirique, et en adoptant trois échelles d'observation, une échelle française, une échelle européenne et une échelle mondiale, et j'en présenterai aujourd'hui, ce soir, quelques-unes des idées principales. Alors, le premier point que je souhaiterais développer rapidement, c'est donner une définition, on va dire simple, si c'est possible, de la mémoire collective. La mémoire collective, c'est la présence ou le présent du passé d'un groupe donné à un moment donné, dans un lieu donné. C'est un ensemble de souvenirs partagés qui proviennent soit de l'expérience directe des acteurs, par exemple les anciens combattants des guerres, soit de souvenirs transmis de génération à l'autre par la famille, par l'école, par tout un ensemble de dispositifs publics, les commémorations, les célébrations, les monuments, les cimetières. Alors ces souvenirs, quelle que soit au fond leur provenance, véhiculent des représentations du passé, par exemple un événement majeur, la défaite française de 1940 ou les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, qui vont changer, évoluer en fonction du contexte présent, ne serait-ce que parce qu'avec le temps qui passe, bien sûr, les souvenirs s'estompent et surtout notre regard change. La mémoire individuelle et collective doit donc s'analyser comme une évocation du passé au présent. Je me souviens, nous nous souvenons. Alors la mémoire, c'est une évidence, est également une opération de sélection. Elle se compose autant de souvenirs conscients et vivaces que de faits refoulés ou encore d'oubli. Mais si un individu peut oublier ce qu'il a vécu, le refouler, c'est beaucoup plus difficile pour une société où les traces du passé, même d'événements que l'on a cherché à oublier ou refouler, sont souvent beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. C'est tout le sens du métier d'historien que de retrouver et d'exploiter ces traces. C'est ainsi que la mémoire collective se manifeste autant par des prises de parole publiques, des témoignages sur un événement remarquable, que par des silences volontaires, le refus d'évoquer des épisodes honteux ou des épisodes imposés, la censure d'État ou, par exemple, la fermeture des archives publiques. Et donc la mémoire produit un récit commun, plus ou moins cohérent, qui fonde, qui est supposé fonder, l'identité du groupe, y compris, souvent même, par des croyances qui peuvent se révéler fausses. C'est par exemple le cas sur les origines. Non, les ancêtres des Français ne sont pas les Gaulois, terme qui désigne en fait une variété de tribus habitant le territoire correspondant plus ou moins à la France actuelle à l'époque romaine. Les Gaulois, c'est une vision forgée pour l'essentiel au XIXe siècle, alors que la France cherche à renforcer son identité nationale face à d'autres puissances, notamment l'Allemagne ou l'Angleterre. Il s'agissait alors d'enraciner l'identité nationale du XIXe siècle, de la France du XIXe siècle, dans un passé le plus reculé possible dans le temps. Dès lors, la mémoire n'est évidemment pas l'histoire, même s'il faut éviter de les opposer. L'objectif de l'histoire comme une discipline, comme celui de toutes les sciences humaines, est de forger une connaissance du passé à travers ses traces dans le présent. Ruines, archives écrites, archives visuelles, témoignages, productions littéraires et artistiques. Écrire et enseigner l'histoire, c'est admettre que la transmission de la seule expérience vécue d'une génération à l'autre ne suffit pas à comprendre le passé.
Non seulement les sociétés oublient, bien sûr, mais les contemporains d'une époque donnée, par exemple la Seconde Guerre mondiale, qui est le sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ne pouvaient évidemment tout connaître et tout comprendre du monde dans lequel ils vivaient. Ils ne pourront donc pas se souvenir plus tard de ce qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils ont ignoré. C'est la fameuse situation de Fabrice Del Dongo, le héros de La Chartreuse de Parme, l'un des plus grands romans de la littérature française, de Stendhal, qui se trouve au milieu de la bataille de Waterloo et ne comprend pas ce qui se passe. Alors ce constat, en apparence simple, a créé de très nombreux malentendus, notamment ces 20 dernières années, entre historiens et témoins, et particulièrement dans l'étude des conflits. Chacun a prétendu posséder une vérité légitime sur le passé, les uns, les témoins, brandissant la prééminence de l'expérience, de point « j'y étais, j'ai tout vu ». Les autres, brandissant, avec une égale pugnacité, celle de la connaissance, de point « la vérité d'un événement se trouve dans les archives ». Or, l'histoire comme processus de connaissance est tout aussi indispensable à la fabrication d'une identité commune que le recueil de témoignages ou la conservation des traces. Du coup, le travail des historiens, les livres, films, articles, cours qu'ils produisent participent à l'élaboration d'une mémoire collective. Et en France, j'en ai fait... Je vais un peu plus vite parce que sinon je n'arriverai jamais dans le temps, pardon. En France, j'en ai fait personnellement l'expérience. Les historiens de la Seconde Guerre mondiale, comme aujourd'hui par exemple ceux de la période coloniale, ont été des figures publiques importantes, dans les années 90 notamment, car ils remettaient à tort ou à raison en cause les mythologies de l'après-guerre qui avaient par exemple minimisé le poids de la collaboration avec les nazis. Et donc, tout comme l'évolution générale de l'opinion publique, leurs travaux ont accompagné, parfois dans certains cas, suscité l'émergence de nouvelles politiques de mémoire fondées, c'est un élément essentiel pour moi, sur la reconnaissance et la réparation des aspects les moins assimilables de l'expérience de la guerre. Alors maintenant, si je veux entrer un peu plus dans le détail de mon analyse et aborder ce que j'ai appelé la mémoire contemporaine, c'est-à-dire le rapport au passé de nos sociétés aujourd'hui, j'essaie d'expliquer que la mémoire collective n'est pas simplement un processus inhérent à toute société de tout temps. Elle est devenue, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est l'objet, la datation est l'objet d'un débat, évidemment, elle est devenue une valeur positive. Elle fait l'objet de toutes les attentions, elle constitue un domaine particulièrement important de l'action publique, d'une autre manière que par le passé. Il y a encore quelques décennies, au sortir d'une guerre ou d'une crise interne, d'une guerre civile, se posait très vite l'idée qu'il fallait tourner la page, promulguer les lois d'amnistie, imposer le silence officiel sur les épisodes les plus douloureux, notamment en rendant, par exemple, les archives publiques inaccessibles ou en acceptant l'impunité d'un certain nombre de criminels qui avaient pu commettre des exactions dans la période précédente. Je pense que je me fais comprendre ici. La raison d'État l'imposait pour aider à la reconstruction nationale ou à la réconciliation entre les ennemis d'hier. C'est ce qui s'est passé, en partie, en Europe occidentale, au début des années 50, lorsque, par exemple, il s'est agi de réintégrer l'Allemagne dans le concert européen, dans le cadre, bien sûr, à la fois de la guerre froide et de la construction européenne. Et on est quelques années à peine après la découverte de l'ampleur des crimes nazis. Cette volonté de tourner la page et de faire silence, par exemple sur la question de la collaboration avec les nazis, pas simplement en France, mais dans la plupart des pays européens, nazis présentés souvent comme les seuls coupables des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, a été contestée à partir des années 70 dans la plupart des pays européens par des générations nées après la guerre. On assiste alors à l'émergence progressive de nouvelles normes morales et politiques et donc d'une nouvelle manière d'appréhender le passé, par exemple ce qu'on a appelé en France le devoir de mémoire, une expression qui a pris beaucoup d'importance ces 20 dernières années, un terme qui s'est popularisé dans les années
1990, mais qui correspond à une tendance générale dans la plupart des pays, au moins de l'Union européenne. Et donc, ce devoir de mémoire, sous la pression de l'opinion, sous la pression d'associations de victimes, il s'est agi de rouvrir des dossiers considérés comme trop vite fermés par la justice ou par les pouvoirs publics concernant, en particulier, des crimes d'État qui auraient été oubliés ou niés. C'est ainsi, vous le savez, c'est un événement qui a été un événement avec un retentissement international. En juillet 1995, le président Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs entre 1942 et 1944. Et tout récemment, ça date d'il y a quoi, même pas 3 semaines, le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, reconnaissait publiquement l'assassinat d'un militant communiste anticolonial, Maurice Audin, par l'armée française en 1957 durant la guerre d'Algérie, geste qui rouvre d'une certaine manière, sur un plan officiel, pas pour les historiens, un pan entier de l'histoire coloniale récente, autre sujet conflictuel dans l'histoire récente de la France. Alors, le titre de mon ouvrage, qui est le titre de ma conférence aujourd'hui, Face au passé, qui a l'air d'être une expression au fond banale, souligne pourtant la singularité de notre époque. Le passé n'est pas, comme on pourrait le penser naturellement, derrière nous. Il est au contraire toujours actif, toujours présent, il est devant nous. Au moins pour certains événements remarquables, ces passés qui ne passent pas, expression que j'ai employée pour un de mes livres. Le passé n'est plus, comme dans la tradition, un réservoir d'expériences sur lesquelles on peut méditer pour affronter le présent et avancer vers l'avenir. Il est de plus en plus considéré comme un problème à résoudre. C'est ce qui se reflète dans des expressions comme se confronter au passé, faire face au passé, je pourrais utiliser même des expressions anglaises, cope with the past, c'est-à-dire mettre fin au silence qui recouvre certains épisodes historiques honteux, la collaboration avec les régimes totalitaires, la perpétration et la complicité dans les crimes de masse, les processus de colonisation et bien d'autres événements comparables. Partout dans le monde, pas simplement en France, des gouvernements sont sommés aujourd'hui, sous la pression de leur opinion publique ou de la communauté internationale, de réparer, au moins de faire des gestes qui vont dans cette direction, les torts commis par leur pays, dans un passé proche, lointain, parfois ancestral. Ces nouvelles injonctions débouchent souvent, pas toujours, loin de là bien sûr, sur des politiques de mémoire, un terme lui aussi nouveau, apparu il y a une dizaine d'années. Et ces politiques se fondent sur un triptyque, c'est une sorte de modélisation bien sûr, ça ne se passe pas partout, tout le temps comme ça, mais le triptyque fondamental pour comprendre aujourd'hui les politiques de mémoire, c'est 1. Une meilleure connaissance de l'histoire. 2. Une reconnaissance publique des torts de l'État. 3. Une réparation symbolique ou matérielle des victimes ou de leurs descendants. Alors, c'est un peu l'idée centrale que je développe, enfin, qui est un peu le fil conducteur de mon livre. L'important dans ces situations-là, dans les pays qui ont adopté ce type de rapport au passé, c'est non seulement la connaissance du passé qui est importante, ça c'est pas très original, c'est pas nouveau, mais ce qui est important, c'est la possibilité, notamment que les sociétés en question, que les pouvoirs publics en question, vont se donner d'agir sur lui. C'est cette idée d'agir rétroactivement sur le passé qui me paraît l'une des grandes nouveautés de notre époque. Et c'est ça, cette idée qu'on peut rétroactivement, notamment par la réparation, réparation évidemment la plupart du temps symbolique, mais aussi matérielle, par exemple les commissions de remboursement, des spoliations, des biens pillés pendant la guerre ou pendant d'autres événements. Cette idée qu'on va agir, que notre époque peut agir rétroactivement sur le passé, me paraît l'une des nouveautés fondamentales de ces 30 dernières années, pas simplement en France, pas simplement dans le monde, en Europe, mais dans le monde entier. Alors, cette manière d'envisager la mémoire, cette manière d'envisager le passé, comme connaissance, reconnaissance, réparation, est devenue depuis une trentaine d'années un marqueur démocratique, un marqueur du progrès. C'est quelque chose qui identifie, en tous les cas en Europe, en Union européenne, c'est quelque chose qui identifie les démocraties dans ce qu'elles ont de plus remarquable. C'est une sorte de nouveau droit humain qui ne va pas s'en poser évidemment, de très nombreuses questions.
peut-on réellement réparer l'histoire? Quels sont les événements qui méritent un tel traitement et quels sont les événements ou les processus qu'on va laisser de côté? Comment éviter de susciter des formes de concurrence ou de rivalité entre des groupes de victimes qui demandent avec une égale légitimité qu'on reconnaisse les torts de l'État à leur égard? Problème qui a traversé, par exemple, la société française depuis 20 ans ou 30 ans, des problèmes que connaissent d'autres pays que la France et d'autres pays que ceux de l'Union européenne. Alors, à ce stade, évidemment, je condense beaucoup mes hypothèses ou ma pensée. Je voudrais aborder un troisième élément, après des définitions un peu générales, après la question de la mémoire contemporaine, la question de la mémoire de la Shoah. Pourquoi? Parce que la Shoah, c'est-à-dire la question de la mémoire du génocide des Juifs par les nazis, parce que cet événement a joué, de mon point de vue, un rôle considérable dans le changement que nous avons, notamment en Europe, de la manière d'appréhender le passé. Alors, en Europe occidentale, cette forme de mémoire réparatrice, donc ce triptyque connaissance, reconnaissance, réparation, a commencé à émerger, à se cristalliser dans les années 70, c'est-à-dire, et j'insiste beaucoup, bien avant la chute du mur de Berlin, lequel ne fera qu'amplifier et élargir à tout le continent européen ce qui n'a d'abord concerné, et de manière presque exclusive, l'Europe occidentale. C'est la conséquence de la prise de conscience tardive et progressive, de ce qu'a été la Shoah, le génocide de 6 millions de Juifs par les nazis et leurs collaborateurs nationaux, donc en France, dont on commence alors, dans les années 70, à percevoir l'importance et la profondeur des séquelles, qui explique pourquoi cet événement a joué un rôle quasi matriciel dans l'émergence de la mémoire comme valeur positive. Alors, ce phénomène qu'on observe dans beaucoup de pays, et principalement en Allemagne et en France, change complètement et progressivement la perception que l'on avait de l'événement Seconde Guerre mondiale. Au contraire de la situation qui prévalait en 1945 et qui a duré dans les années 50-60, la Shoah, le génocide des Juifs, devient l'élément central de l'histoire de l'événement. Cette centralité et les revendications qui commencent à se manifester dans l'espace public d'une reconnaissance des crimes commis envers les Juifs encouragent progressivement d'autres demandes de reconnaissance et de réparation qui viennent soit d'autres catégories de victimes du nazisme et de leurs collaborateurs, les travailleurs forcés, les homosexuels, les tziganes, soit de victimes d'autres crimes de masse qui n'ont rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale et qui sont parfois très éloignés dans le temps, comme par exemple l'esclavage. Alors sur cette question, la question des responsabilités par exemple, qui est responsable du génocide des Juifs et jusqu'à quel point peut-on évaluer les responsabilités, notamment nationales, pas simplement des nazis? Cette question a bien sûr émergé dès 1945. Elle a émergé au procès de Nuremberg, contrairement à ce qu'on dit souvent. Mais c'est bien plus tard, c'est 20 ans plus tard, que cette question est posée de manière beaucoup plus systématique, notamment après le choc du procès Eichmann à Jérusalem en 1961-62. La République fédérale allemande, l'Allemagne de l'Ouest, se voit contrainte de mettre en place assez tôt, et plus ou moins sous la contrainte, en tout cas sous la pression de la communauté internationale, ce qui est une situation, je crois, très différente de ce qui a pu se passer au Japon, des politiques de réparation d'un genre inédit, compte tenu de l'ampleur des crimes commis contre les Juifs, mais aussi contre les civils européens en général. Alors l'Allemagne, par exemple, va rouvrir des procédures judiciaires contre des criminels de guerre allemands à partir de 1958, processus qui, au jour d'aujourd'hui, n'est toujours pas terminé. Il existe encore aujourd'hui un ou deux dossiers pendants de criminels de guerre, donc dont les actes remontent aujourd'hui après 70 ou 80 ans. Un phénomène dans l'histoire totalement inédit. L'Allemagne invente même, plus ou moins contre son gré évidemment, la notion moderne de politique d'excuse, avec le geste
que vous connaissez peut-être, spectaculaire, du chancelier Willy Brandt, qui en décembre 1970 s'est agenouillé en silence devant le monument érigé à Varsovie en hommage aux combattants du ghetto exterminés en 1943. Alors que l'Allemagne ait agi par sentiment de culpabilité, par la pression internationale, par calcul politique ou par réelle conviction démocratique, sans doute un peu tout cela à la fois, au fond importe peu, enfin en tous les cas, dans mon analyse, ce n'est pas l'essentiel. De fait, l'un des plus grands pays européens, responsable de la Seconde Guerre mondiale, enfin en Europe, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale en Europe, devient le premier pays en Europe et peut-être, sans doute, à mon avis, dans le monde, à promouvoir ainsi tout un répertoire d'actions fondées sur ce qu'on peut appeler une mémoire négative. Alors j'emprunte le terme à un historien et philosophe allemand, Reinhard Koselleck. Alors mémoire négative, ça veut dire quoi ? C'est une politique de mémoire, un monument, une commémoration, qui sera fondée non sur le souvenir positif de héros ou de martyrs tombés pour leur pays ou pour leurs idées, ce qui est une des grandes traditions dans la plupart des pays du monde concernant la manière d'entretenir le passé, mais sur le souvenir négatif de crimes commis par l'État à une période donnée. Le 8 mai 1985, le président de la République fédérale allemande, Richard von Weizsäcker, proclamait pour la première fois que le 8 mai 1945, c'est-à-dire le jour de la capitulation allemande en Europe, avait été non pas une défaite ou une capitulation face aux Alliés, donc un jour de honte, mais un jour de libération pour son pays. Ce qui était évidemment une façon a contrario de condamner massivement ceux qui avaient mené la guerre et de dire, ce qui est aussi par certains égards assez ambigu, malgré tout, l'Allemagne nazie ne représente pas l'Allemagne, puisque on peut considérer par la voix du chef de l'État que le 8 mai est un jour de libération pour l'Allemagne, déclaration qui à l'époque a été accueillie avec une certaine ambivalence, disons, par la population allemande. Alors, cette manière de faire face au passé, dont l'Allemagne, d'une certaine manière, a été la première, encore une fois, contrainte de le faire, a touché, à partir des années 70, la France et d'autres pays de l'Europe occidentale qui avaient été également occupés par les nazis. Et dans le sillage des événements de 1968, qui voit la remise en cause des valeurs politiques fondées pour l'essentiel durant l'après-guerre, à partir de 1945, émergent au sein de nouvelles générations des revendications inédites quant au bilan inachevé des méfaits commis partout en Europe 30 ans plus tôt. Il y a réellement une réouverture des dossiers que la génération précédente considérait comme clos. La guerre s'est finie, on n'en parle plus, on regarde vers l'avenir. La génération de 68 va dire non, on regarde peut-être vers l'avenir, et pour regarder vers l'avenir, il faut faire face au passé. Alors, là, j'aborde un chapitre qui est assez connu en France, c'est-à-dire que pendant cette période, on va, enfin, une nouvelle génération d'historiens, de cinéastes, d'écrivains, d'artistes, va remettre en cause toute une interprétation qui avait prévalu dans les années 50 ou 60, notamment sur l'impact et l'importance du régime de Vichy. Et à partir des années 70, à partir des années 80, se met en place une nouvelle lecture qui insiste de manière beaucoup plus approfondie sur la question de la collaboration, plutôt que sur celle de la résistance, sur la question de l'antisémitisme et sur la question des responsabilités françaises dans le génocide des Juifs. Alors, cette prise de conscience, on est dans le schéma que je développais tout à l'heure, connaissance, prise de conscience, reconnaissance, réparation, va déboucher, à partir des années 80, sur la réouverture de procédures judiciaires. Au début des années 70, des dossiers qui dataient de l'après-guerre, des dossiers judiciaires contre des criminels de guerre ou contre des collaborateurs que l'on croyait clos à cause, grâce à des lois d'amnistie, des grâces et autres procédures de fermeture de dossiers, vont être rouverts, notamment ceux concernant les crimes de Vichy, parce qu'ils vont être requalifiés, le terme juridique, requalifiés en crimes contre l'humanité, dont la caractéristique fondamentale est d'être imprescriptible et donc, ça veut dire qu'on peut poursuivre les criminels jusqu'à leur mort. Et ce changement de régime juridique, qui est un
question technique au départ, va avoir, de mon point de vue, des conséquences très importantes sur la perception de l'événement. L'imprescriptibilité n'est évidemment pas seulement une question juridique, c'est aussi une question culturelle, une question sociale, une question politique. Ces crimes ne peuvent pas être oubliés et ne peuvent pas rester dans le régime de l'impunité, même s'il faut les juger 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard. Pour résumer les choses, alors, ça c'est une situation qui prévaut avant la chute du mur de Berlin. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dans beaucoup d'études, on considère que la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide est une explication de ce phénomène de mémoriel, de cette importance de la mémoire prise notamment en Europe. Or, pour moi, ça n'est pas le cas, puisque ce processus a commencé bien avant la chute du mur de Berlin, je l'ai dit, dans les années 70. Cependant, la chute du mur de Berlin, bien sûr, va avoir une conséquence. Elle en a essentiellement deux, que je vais développer très rapidement. Alors, l'un des effets, alors direct ou pas, c'est difficile de répondre à la question, mais en tous les cas, l'une des évolutions qu'on perçoit après la chute du mur de Berlin, et surtout après la fin de la guerre froide, c'est la question de la mémoire de la Shoah va s'américaniser. Alors l'expression n'est pas de moi, elle est d'un historien américain, ça veut dire que les États-Unis, de manière tout ce qu'il y a de plus officiel, vont investir des politiques publiques, de l'argent, beaucoup d'argent, des pressions internationales, par exemple sur la France, pour faire en sorte que les politiques de reconnaissance et de réparation soient importantes. Pour prendre juste deux exemples très rapides, c'est en 1993 qu'est créé au centre du Mall, c'est-à-dire la partie historique de Washington, le United States Holocaust Memorial Museum, c'est-à-dire le musée national américain de l'Holocauste, donc ce qui est bien la preuve que les Américains considèrent à partir de cet instant-là que cet événement appartient à la culture américaine. Il y a aujourd'hui des mémoriaux de l'Holocauste dans à peu près, je ne sais pas, une trentaine de villes américaines. Et par ailleurs, pour prendre un autre exemple qui concerne la France, c'est dans les années 90 que le Trésor américain va faire pression sur plusieurs pays, la France, la Suisse, la Suède, pour accélérer le remboursement des biens ou des avoirs spoliés par les différents gouvernements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand les Américains font pression, les États sont obligés de suivre. Et c'est également à cette époque, en tous les cas dans les années, la décennie qui suit la chute du mur de Berlin, que la mémoire de la Shoah devient une référence majeure de l'Union européenne, supposée devenir une référence unificatrice de l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire pas simplement, évidemment, les pays fondateurs de l'Ouest, mais tous les nouveaux pays qui vont intégrer l'Union européenne, notamment les pays d'Europe de l'Est, où la solution finale a été la plus meurtrière, ce qui a évidemment posé énormément de problèmes. Alors je prendrai parmi d'autres événements, enfin d'autres processus, qui montrent comment la mémoire de la Shoah, qui s'est d'abord développée dans quelques pays très directement concernés, l'Allemagne, va devenir un référent européen majeur, et même un référent international. En janvier 2000, lors d'un forum international réuni à Stockholm, la trentaine de pays participants, pour l'essentiel européens, mais il y avait également les Américains, les Canadiens et d'autres pays, réunis pour favoriser une politique commune de transmission de la mémoire de la Shoah, notamment dans les établissements scolaires, termine ses travaux par la déclaration suivante, je cite un extrait qui me semble le plus significatif, ouvrez les guillemets, « Il nous semble approprié, donc la trentaine de pays réunis, que cette conférence internationale déclare qu'elle s'engage à semer les graines d'un avenir meilleur dans la terre d'un passé amer. Nous nous identifions aux victimes et à leurs souffrances et nous puisons notre inspiration dans leur lutte. » Fin de citation. Par cette déclaration, au moins pour ce qui concerne les pays européens qui la signaient, le souvenir d'Auschwitz devenait ainsi comme un nouveau fondement comme une redéfinition du fondement de l'identité européenne et même au-delà de l'identité européenne, d'une certaine identité démocratique, puisque la plupart des pays qui ont participé à ce forum appartiennent à ce qu'on pourrait appeler rapidement les grandes démocraties libérales, pour le dire rapidement. Quelques années après, je ne prends pas des exemples isolés, hein,
Quelques années après, en 2005, l'ONU instaure le 27 janvier comme le Holocaust Remembrance Day, c'est-à-dire la journée internationale de l'Holocauste, qui est l'une des premières commémorations internationales, qui a été créée donc sous l'égide de l'ONU, et qui fait de la mémoire de la Shoah une mémoire mondiale partagée, y compris par des pays qui n'ont pas été directement concernés par cet événement. Alors, j'en viens à partir de ce raisonnement, qui est évidemment une hypothèse de travail, j'en viens à la dernière partie du raisonnement, qui est la dernière partie du livre. Je vous l'ai dit au départ, c'est un livre qui s'est attaché à comprendre certains éléments de la mémoire contemporaine en France. Bon, j'en ai dit quelques mots, puisque c'est quand même au départ mon domaine de spécialité. J'ai beaucoup insisté sur l'Europe, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre l'histoire d'un pays comme la France sans faire référence constamment à la dimension continentale. Mais surtout, et c'est ça l'une des hypothèses, alors qui est évidemment discutable, largement discutable, ce processus que j'ai expliqué, cette émergence de la mémoire comme valeur, ce triptyque, reconnaissance, connaissance du passé, reconnaissance des méfaits ou des torts du passé, réparation de ces crimes par des pouvoirs publics, par des politiques de mémoire, est un phénomène que je considère aujourd'hui comme ayant une dimension mondiale. Alors, cette hypothèse, je vous demande de la considérer comme une hypothèse, une lecture, on va dire, qui est encore une fois discutable, peut se formuler de la manière suivante. Il existe, à l'heure actuelle, à une échelle globale, mondiale, une circulation d'idées, de concepts politiques ou juridiques, de modèles, d'acteurs de différentes origines, militants d'organisations non gouvernementales, experts, avocats, juristes, scientifiques, artistes, qui indiquent une forme de mondialisation de la mémoire, entendue ici comme une nouvelle valeur démocratique, ce que je viens d'expliquer depuis le début de mon exposé. Alors, cela signifie, on peut l'observer, c'est une hypothèse qui part d'une observation empirique et non théorique, qu'il existe un peu partout dans le monde, dans des pays qui ont été en situation récente de transition démocratique, par exemple en Amérique latine, des pays comme l'Argentine ou le Chili qui ont vécu dans les années 90 le passage de la dictature militaire à la démocratie, ou dans des pays où il s'agit d'épisodes qui commencent à devenir anciens, comme la France et l'Allemagne, ou d'autres pays européens par rapport à la Seconde Guerre mondiale, ou encore la question de l'apartheid en Afrique du Sud, je l'ai mentionné au début. Donc il existe dans ces différents pays qui conservent des épisodes historiques, des contextes culturels très différents. C'est ça l'idée importante. Il n'y a pas de comparaison possible entre la situation de l'Argentine à la fin de la dictature des militaires et la situation de l'Europe après 1945. Mais il y a un même phénomène que l'on observe, en gros, depuis quelques années, une même attente, des revendications, des politiques publiques, des réalisations qui se ressemblent de plus en plus au regard du passé respectif de chacun de ces pays et qui tous tend vers une valorisation de la mémoire au détriment de l'oubli. Alors là, je fais un petit aparté important pour éviter une avalanche de critiques qui serait tout à fait justifiée. Ce modèle ne s'applique pas partout et n'existe pas partout. Il existe des différences considérables dans la manière de gérer des passés douloureux, comme on dit, ou des passés conflictuels entre l'Europe et l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud-Est, et en particulier, si on devait prendre la comparaison entre la France et le Japon, le très peu que je connais de l'histoire du Japon, les différences sont évidemment considérables. De même, il y a des différences considérables dans le traitement de certains épisodes historiques. Autant, par exemple, le nazisme, les séquelles du nazisme ont fait l'objet d'un approfondissement, d'une reconnaissance et d'une réparation à très large échelle en Europe, autant la question du colonialisme commence à être mise sur la place publique depuis une vingtaine d'années, autant certaines questions sont très loin d'avoir été traitées de la même manière, à commencer évidemment par la question du communisme en Europe de l'Est. Et là, c'est une observation, ce n'est pas un jugement de valeur, la différence de traitement en termes de mémoire, de reconnaissance, de mémorialisation
peut être considérable, encore une fois, d'un pays à l'autre ou d'un événement du passé à l'autre. Alors, à partir de là, il y a deux éléments que je voudrais aborder rapidement. La première, c'est qu'est-ce qui peut expliquer, si mon hypothèse est juste, bien sûr, qu'est-ce qui peut expliquer ce basculement, ce changement de rapport au passé. Et deuxième chose, de décrire quels sont les éléments essentiels de ce modèle de mondialisation de la mémoire. Alors, en ce qui concerne les raisons, elles sont sans originalité relativement attendues. La première, c'est la fin du communisme soviétique et celle d'un monde bipolaire qui ont entraîné un peu partout l'émergence de nouvelles préoccupations mémorielles. En Europe centrale et orientale, je laisse de côté la question de la Russie, qui est un cas, à mon avis, très différent, mais en Europe centrale et orientale, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, il fallait non seulement aborder dans les années 90, donc au moment qui suit la chute du mur de Berlin, la question très sensible de la gestion du passé communiste, qui a été traitée de façon assez inégale dans les pays concernés, mais il fallait revoir, relire, réinterpréter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été complètement fossilisée par une interprétation qui faisait de la plupart de ces pays des victimes du nazisme, sans jamais prendre en compte quelles allaient pu être les responsabilités propres de chaque pays. Je pense notamment à la question de la Pologne, qui aujourd'hui est évidemment extrêmement sensible pour toute une série de raisons. Et donc il a fallu rouvrir et réviser entièrement, parfois aussi sous la pression du fait que ces pays entraient dans l'Union européenne, une histoire qui avait servi de modèle officiel pendant près de 40 à 50 ans. Alors, ce phénomène était d'autant plus remarquable que la plupart des anciennes démocraties populaires étaient ou sont candidats à l'Union européenne et qu'il leur fallait adopter, parmi les standards, ces canons, on peut dire, ces standards mémoriels. Et en particulier, la question de la mémoire de la Shoah, qui n'est pas simplement une question théorique. C'était, très concrètement, quelles dispositions vont être prises pour l'enseignement et la transmission de l'histoire de la Shoah. Est-ce que les manuels scolaires, est-ce que les programmes vont être alignés sur ce qui s'est fait des années, des décennies auparavant, en Europe occidentale? Et si je prends juste l'exemple de la Pologne, que je ne connais pas, mais il se trouve que j'ai été associé à certaines réalisations, la Pologne, c'est assez frappant, parce que dans un premier temps, il y a une sorte de reconnaissance, une sorte de retournement avec, par exemple, l'émergence de musées, l'émergence de débats sur la responsabilité propre de la Pologne, qui a été une des grandes victimes, par ailleurs, nazie, sur sa responsabilité propre à l'égard du génocide des Juifs. Et puis, depuis quelques années, on a assisté, avec l'arrivée d'un parti qu'on va qualifier rapidement de populiste au pouvoir, d'une sorte de retournement spectaculaire où la simple évocation de complicité de Polonais dans la solution finale pouvait, jusqu'à il y a quoi, quelques semaines, quelques mois, valoir de la prison pour l'historien qui s'y aventurait. Alors, la fin de la guerre froide a également précipité, accompagné en tous les cas, la disparition d'autres systèmes autoritaires, notamment, je l'ai signalé en Amérique latine, obligeant de nombreux pays à s'interroger sur la gestion immédiate ou à moyen terme de leur passé dans le cadre de ce qu'on a appelé les transitions démocratiques. Alors, les questions c'était, fallait-il ou non amnistier les élites des régimes défunts ou fallait-il les juger devant les tribunaux ? Quelle place donner aux victimes pour respecter leurs droits sans prendre le risque d'une nouvelle guerre civile ou d'un nouveau coup d'état militaire comme en Argentine ou au Chili? Alors, je pense, là aussi c'est une hypothèse qui peut être discutée. Je pense que dans certains de ces pays, ces questions qui s'opposent au moment de la transition démocratique, qu'ils sont obligés d'affronter, renvoient immédiatement à la situation européenne de l'après-45. Et la situation européenne a pu, dans certains cas, servir de contre-modèle. Je m'explique. D'une certaine manière, la transition qui s'est faite en Europe après la Seconde Guerre mondiale a montré que
la solution de l'oubli partiel, la solution de l'amnistie, la solution qui consistait, au bout d'un laps de temps relativement bref, au début des années 50, à clore le dossier de ce qui s'était passé pendant la guerre, a échoué. A échoué. Puisque 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, précisément dans les années 90, moment des transitions démocratiques dans d'autres pays, on s'aperçoit qu'on est en train de rouvrir les dossiers qu'on croyait clos. Et donc se pose du coup la question, quelle est la meilleure manière d'appréhender la fin d'une dictature, la fin d'une guerre civile? Faut-il promouvoir, comme par le passé, une tradition d'oubli ou d'amnistie, ce qui s'est passé dans plusieurs pays, ou faut-il au contraire, très vite, promouvoir des procédures qui vont mettre au cœur de la société en question des questions de vérité, des questions de justice, de lutte contre l'impunité, rouvrir des procès, entendre les témoins, recueillir les archives, bref, toute une série de processus qu'on a vus, alors pour l'Amérique latine, dans la plupart des pays qui ont été confrontés à ces questions. Et enfin, troisième raison, parmi d'autres, bien sûr, en Europe, le renouveau de la mémoire de la Shoah dans certains pays, notamment la France ou la Belgique, a servi au même moment d'exemple pour d'autres conflits de mémoire qui n'avaient pas de rapport direct avec la Seconde Guerre mondiale. En France, la reconnaissance par l'État, spectaculaire, le discours de Jacques Chirac de 1995 est un discours qui a eu une très grande importance, puisque c'est la première fois qu'un chef d'État reconnaissait avec une telle profondeur, parfois même en allant trop loin de mon point de vue, la responsabilité de l'État français dans un crime d'État. Mais cette reconnaissance d'un crime commis pendant la Seconde Guerre mondiale a ouvert évidemment la porte à d'autres revendications et à d'autres demandes du même ordre concernant d'autres événements et d'autres minorités, entre guillemets. Par exemple, réparation des crimes commis durant la guerre d'Algérie, j'en ai cité un exemple, avec la reconnaissance du meurtre de ce militant communiste, ou encore de la colonisation en général, voire de crimes commis dans des périodes beaucoup plus anciennes, comme dans le cadre de la traite des Noirs et de l'esclavage. Alors, l'une des conséquences immédiatement observables en France, au début des années 2000, c'est la promulgation de toute une série de lois qu'on a appelées par la suite des lois mémorielles et qui reposaient sur une même appréhension. Alors, réparer des torts du passé, par exemple, l'une des lois de 1999 qui énonce le fait que la guerre d'Algérie a bien été une guerre. Bon, donc c'était bien sûr que tous les historiens savaient que la guerre d'Algérie était une guerre, mais pour la première fois, l'État, de manière très officielle, qualifie ce qu'on appelait des événements de guerre. Bon, il y a eu d'autres lois, la loi dite Taubira en 2001, qui qualifiait rétroactivement la traite et l'esclavage à compter du XVIe siècle, comme un crime contre l'humanité, notion évidemment totalement anachronique, puisque c'est une notion qui a été créée en 1945, et notion qui n'avait évidemment aucune portée, une loi qui n'avait aucune portée pratique, puisqu'il n'y avait évidemment plus personne à juger. Mais l'ensemble de ces lois reposait sur un principe fondamental pour qui veut comprendre la culture française, c'est la culture de l'égalité. Ce qui avait été fait pour une minorité, pour un moment donné, le génocide des Juifs, devait être fait pour d'autres minorités, les Arméniens, ceux victimes de la torture en Algérie, les descendants d'esclaves, etc., etc. Et là, on voit bien le phénomène comme quoi la mémoire de la Shoah, qui avait une particularité, qui était liée à mon avis à l'événement lui-même, fait d'une certaine manière, devient une sorte de matrice et d'exemple pour d'autres revendications mémorielles, phénomène qui n'est pas d'ailleurs exclusif, encore une fois, à la France. Alors, si je devais caractériser de manière un petit peu plus précise cette mondialisation de la mémoire, je retiendrai trois éléments, d'autant qu'il me reste 10 minutes. Alors, je vais m'en tenir à trois éléments. Le premier élément, c'est, alors c'est un phénomène international, l'émergence de nouvelles normes juridiques. C'est très important, puisqu'on a vu, et j'insiste beaucoup sur ce point, que l'émergence de la mémoire comme valeur a été souvent portée par les tribunaux, par des procès, notamment les procès tardifs, en France, en Allemagne, ailleurs. Alors, il y a deux grandes évolutions de ces normes juridiques qui apparaissent à l'échelle, encore une fois, internationale. Alors, ces deux éléments,
ont tous deux contribué, plus ou moins suivant les cas bien sûr, à affaiblir ces deux piliers de la puissance au sens traditionnel que sont le principe de souveraineté nationale et le principe de la raison d'État. Le premier, c'est le principe d'imprescriptibilité qui a été appliqué notamment aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Et je précise, là c'est un élément important, alors concernant la France, qu'en France, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes de guerre ne le sont pas. Alors que dans les conventions internationales, la plupart du temps, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Alors en quoi c'est important? C'est important parce que ça permet de poursuivre, je l'ai dit tout à l'heure, un criminel jusque à sa mort. Et ça renforce aussi l'idée, mais en amont, au moment où on va décider ou non de poursuivre des criminels, l'idée qu'une bonne justice va reposer sur une mémoire longue, et donc non plus sur une mémoire, une justice qui doit s'exercer rapidement et ensuite se terminer par une loi d'amnistie qui clôt le dossier. Alors la deuxième évolution majeure de ces normes juridiques, c'est évidemment la notion de compétence universelle, celle qui permet de juger un criminel hors du pays où il a commis son forfait, qui a, elle aussi, et même sans doute plus, contribué à affaiblir le principe ancestral de souveraineté nationale et a permis à la communauté internationale, pour le dire ainsi, de s'immiscer dans la manière dont un pays souverain entend gérer son passé. Si le général Pinochet avait été jugé à Madrid ou à Londres plutôt qu'à Santiago, ce qui a été un moment, une possibilité, on va dire, virtuelle, même si sans doute ça n'était pas envisageable au bout du compte, cela aurait constitué une situation sans précédent, privant d'une certaine manière le Chili de la maîtrise de son histoire. C'est un peu comme si Pétain, en 1945, qui était en Suisse, en Allemagne d'abord et en Suisse, au lieu de vivre en France, était parti dans un autre pays et aurait été jugé, par exemple, à Santiago. C'est quelque chose d'impensable lorsqu'on regarde rétrospectivement ce qu'était l'histoire à ce moment-là. Alors, un deuxième élément, je vais aller très vite là, c'est bien sûr ce qui est la caractéristique même de la mondialisation, à savoir l'émergence d'un espace public mondial, global. Cela permet de porter à une autre échelle que la seule échelle nationale certaines revendications de mémoire, leur donnant ainsi un plus grand écho et une plus grande efficacité. Lorsqu'il y a une dizaine d'années, la Société nationale des chemins de fer français, la compagnie ferroviaire française nationale, a refusé d'indemniser les victimes de la Shoah ayant émigré après la guerre aux États-Unis, en arguant du fait qu'elle n'était pas responsable de leur déportation, ce qui est en partie vrai de mon point de vue d'historien, peu importe, avocats et associations de victimes américaines, aidés par le gouvernement fédéral américain, ont fait une telle pression sur l'entreprise française et ont suscité un tel scandale international que la SNCF a été obligée de céder pour pouvoir continuer ses activités aux États-Unis. On voit bien que l'internationalisation de ces questions-là change complètement la donne. Ce n'est plus un face-à-face entre une association de victimes et l'État, par exemple. Il y a maintenant, ces problèmes sont gérés à une échelle d'un espace public global. Enfin, parmi d'autres caractéristiques, il y a ce que j'ai identifié dans mon livre comme une dénationalisation de l'histoire. C'est-à-dire comment une nation, comment l'histoire nationale traditionnelle, qui existe partout, bien sûr, s'est vue sapée dans ses fondements, à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, par exemple, j'en ai donné des exemples, par les Nations Unies, l'Union Européenne, les cours internationales, l'opinion publique internationale, qui ont pu faire pression à tel ou tel moment sur un pays pour qu'il change la manière dont il conçoit sa propre histoire. L'obligeant, par exemple, à reconnaître des torts historiques plus ou moins contre son gré. Ce n'est pas un phénomène uniquement sur le passé, c'est le propre même de la mondialisation, mais on a une forme de dépossession de l'histoire nationale par le haut. En même temps qu'il y a eu une forme de dénationalisation par le haut, il y a eu des formes de dénationalisation par le bas, si on peut dire, phénomène qui remonte quasiment aux années 60, avec la multiplication
de ce qu'on a appelé les contre-histoires, les récits alternatifs, les récits historiques, les narrations historiques qui sont écrites du point de vue de minorités qui ont, on suppose, ne pas avoir eu leur parole dans une histoire officielle. Par exemple, en France, qui est à mon avis un cas d'école, il existe quantité de querelles sur la faible place, en tous les cas insuffisante, qu'occupent les minorités, noires, musulmanes, juives, ou encore la place des femmes en général dans une histoire qui se veut trop universaliste. C'est toute une série de débats qui existent aujourd'hui en France, et donc qui voudrait, ou qui a voulu ignorer jusqu'à aujourd'hui, les différences de sexe, d'ethnie, de religion, d'origine, etc., etc. Ces récits alternatifs, cette autre manière de vouloir écrire une histoire qu'on dénonce à tort ou à raison comme officielle, alimente la plupart des revendications mémorielles aujourd'hui en France comme dans d'autres pays. Elles visent toutes, au fond, le même processus, donner une plus grande visibilité, une plus grande reconnaissance et de nouveau une possible réparation de ces oubliés de l'histoire qui sont en général, qui se présentent comme des victimes de l'histoire pour lesquelles cette réparation n'a pas eu lieu. Et d'une certaine manière, ce qui se passe en France aujourd'hui, comme dans d'autres pays européens, n'est que la déclinaison d'un mouvement qui est apparu il y a beaucoup plus longtemps, qu'on appelle les Subaltern Studies, qui avait également cette idée de réécrire, notamment l'histoire occidentale, qui avait été écrite avec les yeux du colonisateur, et de le réécrire d'une autre manière. Mais ce n'est pas mon propos ici, ce n'est pas ce que je voulais souligner. Ce que je voulais souligner, c'est qu'un certain nombre de pays aujourd'hui, qui sont donc dans ces débats sur les politiques de mémoire, sont prises entre, d'un côté, une pression de réécrire l'histoire, pression qui vient du haut, de manière internationale, et une pression qui vient du bas, hein, par la volonté de produire des récits alternatifs ou des contre-histoires. Voilà. Quelques mots pour terminer cette conférence. Évidemment, alors là, c'est, je vais dire, l'historien traditionnel qui va reprendre sa casquette, qui va dire, attention, cette évolution n'est pas sans risque, car elle tend à effacer, c'est un phénomène qu'on observe dans toutes les sociétés modernes, les frontières entre le discours du scientifique, le discours du politique, le discours du militant, le discours du journaliste, conduit à une pluralité plus ou moins bien contrôlée des interprétations du passé, avec le risque majeur, à mon sens, de voir que leur impact ne repose pas sur leur fiabilité, quel est le discours le plus authentique, en tous les cas le plus crédible sur un événement historique, mais elle peut reposer sur la capacité des acteurs à se faire entendre, ou se faire entendre bruyamment dans l'espace public. On peut voir aboutir dans quelques années, on va voter pour une vérité scientifique, une vérité historique, une vérité politique, ce qui est évidemment une sorte de cauchemar, mais on en prend parfois le chemin. Alors, en réalité, pour moi, la véritable question réside dans la nature même de ce rapport au passé, qui a privilégié durant les deux ou trois dernières décennies, pour de bonnes raisons bien sûr, la figure de la victime, la nécessité de la réparation, la volonté de montrer aussi à quel point les générations qui ont porté le devoir de mémoire, c'est-à-dire les générations, par exemple en Europe, nées bien après la Seconde Guerre mondiale, étaient plus lucides, plus transparentes, plus justes que les générations précédentes, notamment celles qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont été accusées de n'avoir pas su gérer suffisamment la transition de 1945, d'avoir jugé trop peu de criminels de guerre, d'avoir trop vite tourné la page. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour d'autres événements historiques plus récents, il y a eu cette volonté de ne pas répéter cette erreur qui aurait été ou qui a été commise par l'Europe ou d'autres pays après la Seconde Guerre mondiale, et d'éviter d'avoir un jour à se voir reprocher le fait de ne pas avoir eu une lucidité suffisante à l'égard d'un passé proche, par exemple, encore une fois, ce qui s'est passé en Amérique latine ou en Europe de l'Est. Et pourtant, et ce sera mon dernier mot, cette culture de la mémoire, comme disent les Allemands, n'a empêché ni de nouveaux génocides, ni de nouvelles guerres, ni de nouveaux massacres de masse restés impunis. Un peu moins toutefois que par le passé. Ce véritable culte de la mémoire n'a pas empêché non plus la renaissance en Europe d'une violence raciste, antisémite ou anti-musulmane. La question se pose donc pour l'avenir. Comment redonner une forme de fierté historique à des peuples qui ont une longue histoire, faite de tumultes et de catastrophes,
sans pour autant perdre la lucidité historique qui reste l'un des acquis majeurs de cette culture de la mémoire. Je vous remercie.